Monsieur, dame, bonjour. On se retrouve sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles pour partager encore cette semaine de nouveaux coups de cœur. Coup de cœur attribué cette semaine à l'excellent album de Maïs Hyman qui a adapté le roman de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. C'est paru chez Calman Levy. On en parle sans plus attendre. Maïs Hyman, on a l'habitude de le voir sur des couvertures de romans noirs, mais aussi il a adapté plusieurs nouvelles. On est à chaque fois dans un univers policier, assez sombre. L'élégance du trait de Maïs Hyman convient absolument à toutes ces histoires. Mais pour cette adaptation, on va se pencher sur le destin d'un romancier. Romancier à succès, qui a pondu 3 œuvres dans sa vie, qui est devenu un petit peu l'auteur incontournable, qu'on ne peut pas ne pas avoir lu. Et puis, arrivé à l'âge de 35 ans, cet homme va choisir de partir de la scène publique et de s'isoler sur une île en Méditerranée, l'île de Beaumont. Ça devient une espèce de mystère, en fait. Tout le monde essaie de savoir pourquoi cet homme a arrêté d'écrire, pourquoi il ne pondra plus aucun roman. On ne le voit plus sur les écrans, on ne le voit plus sur les réseaux. Voilà, il vit comme un ermite. Il chasse même les gens qui viennent l'interroger sur sa propriété à coup de fusil, carrément, tir au lapin. Voilà, donc un gentil monsieur. Arrivé au bout d'une vingtaine d'années, jeune journaliste va essayer de percer ce mystère. Elle va arriver sur l'île de Beaumont et essayer de découvrir pourquoi Nathan Fall, cet écrivain, ne produit plus rien, a décidé d'arrêter d'écrire. Parallèlement à ça, un horrible meurtre est commis sur l'île. Donc on va suivre plusieurs personnages. Ce personnage central de Nathan Fall va vraiment être la ligne rouge. Et puis, on va suivre plusieurs personnages. C'est comme un espèce de récit choral, finalement, qui vient, à la fin, aboutir à une histoire bien concentrée. Je vous invite à découvrir donc cet univers sombre sur l'île de Beaumont, savoir pourquoi Nathan Fall n'écrit plus, qui est le mystérieux assassin qui rôde sur l'île de Beaumont. Île de Beaumont qui devient un espèce d'endroit où il n'y a plus possibilité de partir jusqu'à la résolution de l'enquête. On va passer sans plus attendre à la question de la semaine. Donc cette histoire, La vie secrète des écrivains, se passe sur une île en pleine Méditerranée. Je vais vous demander de faire marcher vos méninges. Un dessinateur de bande dessinée très connu a pondu toute une série d'albums à travers un personnage. Pour la couverture d'un album, il s'est servi d'une île en Méditerranée. N'allez pas chercher trop loin, c'est vraiment je vous aide, c'est un dessinateur franco-belge avec le plus connu de nos reporters. Voilà, donc je vais vous demander de me trouver le nom de cette île, le titre de l'album et évidemment le nom de l'auteur. Le premier qui répondra à ces 3 questions gagnera l'album. Vous allez avec vos petits doigts boudinés sur votre ordinateur, vous tapez l'adresse aujardindesbulles@orange.fr et bien sûr, vous m'envoyez les 3 réponses. Le premier qui répond gagne cet album. Je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.